Alors, je m'appelle Isalia Petmezakis, je suis de Notre-Dame-de-Lozier et je suis réalisatrice de vidéos depuis une quinzaine d'années. Alors, effectivement, j'exerce ce métier. J'ai commencé en tant que journaliste reporter d'images sur des formats courts pour la télé, à Télé Grenoble. Et puis très vite, je me suis orientée plus sur la vidéo, on va dire ce qu'on appelle la vidéo institutionnelle. Je communique pour des clients, beaucoup pour des clients associatifs notamment, mais pas que. Aussi des entreprises petites, moyennes, grandes, voilà, toutes les tailles, et sur un peu tous les secteurs d'activité. J'ai quand même une spécialisation sur tout ce qui est thématique environnement, agriculture, alimentation, et puis un peu plus récemment sur des projets autour de l'urbanisme et de la transition en urbanisme. En fait, Morcellement, donc le film sur le cancer du sein sur lequel j'ai travaillé en 2020-2021, c'est mon premier documentaire en tant que réalisatrice, et voilà, c'était une super belle expérience. Qu'est-ce qui t'a donné envie de réaliser Morcellement? Alors déjà la rencontre avec la productrice ou la porteuse de projet de ce film, qui est une médecin radiologue à l'hôpital d'Aubenas et qui est une femme que j'avais envie d'accompagner dans son envie de porter un projet culturel à l'hôpital. Le projet d'amener la culture à l'hôpital et de permettre un temps de parole et de rencontre avec des personnes malades, mais aussi avec leurs familles et les personnes qui les accompagnent, les soignants, les soignantes. Je trouvais que ce projet-là, il était original. La rencontre avec l'auteur aussi, Sébastien Joagnès, qui est donc auteur de théâtre et de poésie, et qui, lui, avait déjà une idée assez claire du film. Donc il m'a un peu embarqué dans son aventure à lui. C'est un projet global qui avait pour vocation de proposer des activités culturelles à des femmes malades et à des soignants et aux proches, aux familles, dans le cadre d'un budget spécifique de l'ARS, de l'Agence régionale de la santé. Voilà, et donc c'était un projet global avec des expositions, enfin des ateliers artistiques qui ont donné lieu à des expositions et un projet de film documentaire. Et donc moi je me suis intégrée dans la petite partie qui était le projet documentaire. On a commencé le projet en plein Covid. On s'est rencontrés au printemps 2020 la première fois avec l'équipe du projet. Et on a diffusé le film la première fois le 9 octobre 2021. Donc en tout, bien 18 mois de travail. 18 mois, c'est du temps forcément passé. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans la réalisation, au travers de ce documentaire? De me rendre compte que l'histoire des patientes était en fait l'histoire de presque toutes les femmes. Ce qu'elles nous racontaient, ce qu'elles me racontaient, ce qu'elles me confiaient, ce qu'elles nous confiaient, c'était pas seulement leur parcours de malade, mais plus leur parcours de vie en tant que femme. Et finalement, moi, je me suis sentie très touchée par ce qu'elles racontaient sur le fait que parfois un accident de la vie ou un changement dans sa vie permet de se remettre en question et puis de se retrouver. Et ça, c'était assez fort pour moi, de me rendre compte que de cet accident, de là où elles trébuchent, bah, elles en font une force et c'est vraiment des guerrières, quoi. Ce qui m'a le plus touchée aussi, c'était la lumière qu'elles avaient. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais je trouvais que c'était des femmes qui étaient lumineuses dans les combats qu'elles menaient, dans le combat qu'elles menaient. Et j'ai essayé, moi, de rendre cette lumière-là. Donc j'ai beaucoup travaillé sur des images voilà, de lumière, de nature, d'eau, de gouttes d'eau, de feuilles, voilà, d'essayer de rendre cette lumière-là. Alors on a fait une trentaine d'interviews en tout. Alors le dispositif du film est un peu spécial, puisque ce sont des interviews qui n'ont pas été filmées. Et Sébastien Joagnès, l'auteur, a retranscrit, en s'appuyant sur quelques accidents de langage, quelques extraits de ce qu'elles ont raconté, il a reconstruit leur discours de façon poétique. Et donc la trame du film, la trame narrative, ce sont les poèmes, les poèmes en prose que Sébastien a écrits pour retranscrire ses interviews. C'est un film de témoignage. Alors bien sûr, il y a un peu de sensibilisation, toujours c'est pas complètement dissociable, mais c'est d'abord essayer de restituer une parole qu'on entend peu. Finalement, on entend un discours très médical sur le cancer du sein, mais on n'entend pas toujours, ou peut-être pas assez, le récit à la fois des femmes malades, mais ce que je trouvais intéressant aussi dans ce film, c'est d'entendre aussi les soignants, les soignantes et les proches. Vous avez dû affronter des moments un peu plus durs? Alors, des moments durs, il y en a eu pendant le tournage. Moi, il y a quelques fois où je me suis un peu concentrée sur mon matériel technique pour pas pleurer.
Et puis, il y en a eu là cette année, puisqu'il y a deux patientes qu'on a suivies qui sont décédées au mois de mai. Je pense que tout ce qui permet de parler de la maladie sensibilise. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai dit à une amie à moi, bah tiens, je reprojette mon film la semaine prochaine. Et elle m'a dit, ah oui, il faut que je fasse ma mammo. Donc je pense que juste le fait d'en parler, même si on ne rabâche pas des discours de sensibilisation. Tout à l'heure, je vous parlais des moments qui sont un petit peu durs. Mais il y a peut-être des moments un peu plus joyeux, il y a aussi peut-être le chemin de la rémission qui est là. Oui, alors le plus beau moment, je crois, c'est à la première du film. L'une des patientes qui est arrivée avec un petit bidon tout rond, qui était la plus jeune patiente atteinte de cancer du sein dans le film. Et elle est arrivée avec un joli bidon et voilà, elle m'a dit bah, « ça y est, j'ai eu le feu vert et c'est en route, c'est mon deuxième enfant qui va arriver ». Le film, il est vraiment construit comme une traversée. Donc on part vraiment du moment un peu sombre du diagnostic pour arriver vers le chemin de la guérison. Donc c'est aussi un peu comme une parabole dans l'image, juste le fait de traverser de la nuit jusqu'au jour, du moment douloureux vers la lumière. Et puis on aborde aussi vraiment de façon un peu plus spécifique tous les soins support, et notamment les cures post-cancer, qui sont assez peu connues. Les soins de support aussi pendant les traitements avec les socio-esthéticiennes. On aborde aussi les tatouages de cover sur les cicatrices. Donc voilà, tous ces petits moments qui amènent doucement vers le fait de laisser derrière soi la maladie et d'avancer dans la vie avec ce truc-là qui n'y part jamais, mais qu'on peut surmonter. Ce qui me rend heureuse, c'est qu'on diffuse ce film chaque année depuis 2021 et chaque année, il nous est redemandé pour le mois d'octobre rose suivant. Donc c'est un film qui a une audience qui est quand même limitée, les gens n'ont pas forcément envie de se confronter à ce sujet, c'est pas hyper simple. Je vois bien que c'est un outil dont s'emparent les professionnels de santé, dont s'emparent les élus qui ont envie de faire des choses au moment d'octobre rose. Et au final, je me dis que c'est ça, la vie de ce film-là, pour moi, elle est là, et il vit comme on l'imaginait, donc c'est chouette. Et c'est un film qui demande de l'échange et du débat. Nous, on a vraiment envie qu'il serve de déclencheur pour que d'autres puissent prendre la parole et prendre un temps pour analyser ce qu'ils ont vécu, ressenti, et puissent le partager avec d'autres personnes qui ont traversé la même épreuve. Alors la projection est prévue le 16 octobre à 19h30 à Notre-Dame de Lozier, à l'espace Bon Rencontre. Et elle se fait en partenariat avec l'association AVEC, qui est l'association qui propose localement des soins et des ateliers, une prise en charge, un accompagnement pour les personnes malades sur le territoire sud-grésivaudan. Merci Isalia. Merci Fred.